plateforme de Drancy, elle est ouverte sur son environnement au niveau local. Donc, voilà la convention qu'on a avec l'IME La Doucette. Donc, on reçoit ces groupes 3 fois par semaine. Ça permet de réaliser ce qu'on appelle de la médiation animale. C'est faire passer des choses par les animaux, par le contact des animaux. Ça peut apaiser les jeunes, ça peut leur faire acquérir des compétences qu'ils n'auraient pas forcément eues avec l'école par ces activités-là. On a également un partenariat au niveau régional. Donc, on a créé avec la ferme de Rosny-sous-Bois il y a actuellement un peu plus d'un an, qui consiste à regrouper un maximum de fermes pédagogiques associatives ou de collectivités en Ile-de-France pour permettre de réaliser des échanges d'animaux en priorité. Et après, on a également des conseils. Éventuellement, on fait des journées de formation entre nous qui permet également d'augmenter nos compétences sur certains domaines qu'on n'a pas forcément, que ça peut être les potagers, ça peut être les ruchers, ça peut être la pédagogie, la médiation, ça peut être tout un tas de sujets différents. Qu'elle soit plus portée sur le niveau de la pédagogie, qu'on arrive à développer avec des écoles éventuellement des rencontres régulières, des maternelles ou des primaires, et qu'on puisse sensibiliser vraiment ces enfants-là sur éventuellement le développement durable, sur le bien-être des animaux et sur la nutrition des animaux et d'où viennent les aliments qu'ils peuvent consommer régulièrement au niveau des fruits et des légumes. La ville de Drancy a obtenu une subvention pour le réaménagement de la ferme pédagogique qui va nous permettre d'accroître nos locaux et également du coup d'accroître la pédagogie.